Bonsoir les amis, donc je reviens pour les pénaltys du quintet de demain, vendredi 10 décembre. Donc avant, aujourd'hui, bah c'est super, hein, comme j'ai déjà dit dans la vidéo du quintet. Hein, aujourd'hui, je vous donnais le 4 dans les pénaltys tocards. Et le 4 est arrivé premier à 37 contre 1, je crois. Donc ça faisait pratiquement 75 euros pour 2 euros. Hein. Bon, moi je joue toujours 5 euros sur mes 5 chevaux que je vous donne dans la vidéo, plus 1 ou 2 tocards. Hein. Et aujourd'hui, ben, pour 5 euros, ça m'a fait 175 euros. C'est super, j'espère que vous avez mis une petite pièce. Donc comme je vous l'explique, il n'y a pas que le quintet. Hein. Les 5 chevaux, vous en servez. Alors je vous les répète, hein, les 5 chevaux que je vous avais donnés, 10, 14, 13, 11, 5, vous pouvez les jouer. Qu'en simple gagnant, vous mettez une pièce dessus sur les 5 que je vous donne, plus le 1 ou 2 tocards. Alors après, je vous redonne les pénaltys. C'est là où vous pouvez rajouter une petite pièce ou mettre que sur eux. Des pénaltys des chevaux donnés et les pénaltys outsider tocards. Alors pour demain, par exemple, encore une fois, je vous donne en pénalty dans les chevaux donnés le 10 et le 14. Donc ça sera mes pénaltys. Des chevaux donnés et dans mes penalty outsiders, hein, vous le verrez pas beaucoup dans les pronostics, le 2 et le 6. Alors comme aujourd'hui, hein, le 4 que je vous donnais, ben vous mettez une petite pièce sur le 2 et le 6. Hein. S'ils arrivent gagnants, ça sera des grosses cotes. Sinon, ben vous les mettez que sur les deux penalty je vous donne ou les 5 dans mes 5 chevaux préférés et au moins vous touchez au moins quelque chose. Alors je vous répète, hein, pour demain, mes deux pénaltys de chevaux donnés, ça sera le 10 et le 14. Et les pénaltys dans les chevaux outsiders tocards, le 2 et le 6. Vous savez que j'aime bien les tocards et quand ils rentrent, je suis encore plus content. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une bonne soirée, plein de belles choses. Et ben, vous avez toutes les vidéos en ligne, vous n'avez plus qu'à les regarder. À demain, bonne nuit!